Située à la 114e place sur 180 pays au monde où la liberté de communication est le plus exprimée, selon le dernier classement du journaliste Sans Frontières, la presse congolaise doit plus que jamais prendre sa responsabilité en s'exerçant librement, sans tenir compte des pesanteurs sociopolitiques. C'est ce que l'on peut retenir des conférences scientifiques organisées ce 3 novembre à l'occasion d'une double journée consacrée à la fois à la liberté de la presse et à la fin des crimes et impunités commis aux journalistes. L'occasion a donné lieu à deux exposés conformément aux thématiques retenues. Les sujets qui ont mis en exergue d'abord ce qui constitue un frein à la liberté de la presse. Il faut donner les moyens financiers, logistiques, conséquents. Aux journalistes pour qu'ils fassent leur travail avec toute objectivité possible. Sinon, c'est difficile. Hein. Moi, j'étais là, et nous tous, nous sommes passés par là, hein. Nous ne sommes pas les saints. Hein. Nous sommes passés par là, par la Camorra. Hein. On est passés par là. Donc, je ne jette pas la pierre aux autres. Je dis simplement, il est temps qu'on s'en départisse. Sinon, on ne pourra jamais faire un travail sans complaisance et sans crainte. Éviter toute relation antiprofessionnelle avec le monde extérieur, à l'occurrence le politique, ne pas monnayer son travail avec une quelconque somme d'argent, voilà ce que les journalistes congolais sont appelés à faire avant tout. Car cette corruption assujettit le fond du raisonnement journalistique en impactant négativement la conscience du reporter. Par ailleurs, les exposants ont également évoqué le lourd tribut que payent les journalistes sur le terrain de leur profession. Bernard Makiza a décrit un tableau plutôt négatif des journalistes congolais emprisonnés ou ayant perdu la vie dans l'exercice de leur métier. 5 mars 1993, un procès est intenté contre le périodique La Ruche, dirigé par Théophore Kiamoussi Manyanga, qui a d'ailleurs exercé des fonctions de directeur à l'Agence congolaise d'information. Malgré que ces crimes commis contre les hommes de médias ont été évoqués, force est de constater qu'aucun de ces dérives n'a fait objet d'un procès ou d'une condamnation quelconque. Ce qui prouve la dangerosité de la pratique du métier dans un pays comme le Congo, où les médias ne cessent de recevoir des injonctions des politiques en cas de critique. C'est le cas des affaires Rossi Lotuna et Fulgence Atonginzinga, deux journalistes des médias publics qui ont été injustement sanctionnés, affaires heureusement tranchées par le Conseil en faveur des reporters. La célébration d'une telle journée s'avère donc primordiale pour le garant de la liberté de communication au Congo, organisateur de ces échanges. La presse n'est pas non plus un instrument de louange et de célébration d'un pouvoir, d'un homme ou d'un groupe d'oligarques en mal de popularité. La presse a pour mission principale d'informer. Mais elle a également vocation à gêner et à déranger par la dénonciation des injustices sociales, des dictatures, des délinquances et crimes économiques et de tout acte répréhensible commis au préjudice de la société. Aux côtés du Congo depuis de longues dates, l'UNESCO, par l'entremise de son chef de bureau Fatoumata Mariga, a réitéré son ambition d'accompagner les médias congolais de la formation continue des journalistes. Des formations qui sont de nature à donner aux hommes de médias plus d'arguments dans l'exercice de leur profession, pourvu que ces derniers abandonnent des pratiques qui leur rendent esclaves pour s'occuper enfin des réelles questions qui préoccupent la nation, qu'importe le domaine.